Eh bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Warzone et aujourd'hui on va parler de la nouvelle mise à jour qui est sortie hier, la saison 3.5. Donc c'est une saison qui arrive à la moitié de la saison 3 avec un thème principal Rambo et pour une fois c'est assez bien de voir que une nouvelle mise à jour de Warzone va pas venir faire évoluer l'univers Warzone avec le monde Warzone va venir faire évoluer Warzone avec un univers extérieur et qui est là et donc une espèce de collaboration avec notamment Rambo. On va voir ça aujourd'hui dans cette vidéo et vous le voyez directement un peu l'univers Rambo dans le menu d'accueil avec cet arrière-plan derrière le joueur. On a pu le blinder mais des explosions de partout, un hélicoptère qui passe, ça fait très Rambo et on va voir les premières nouveautés de cette nouvelle mise à jour. Alors tout d'abord on va aller du côté de la boutique parce que cette mise à jour apporte deux nouveaux personnages principaux avec John McClane ici, je vais baisser un petit peu le son, avec John McClane ici, voilà donc le nouveau skin John McClane. Donc les nouveaux skins sont malheureusement pas gratuits, il va falloir les acheter dans la boutique, 24€ respectivement chaque pack John McClane. Ici on a un petit fusil d'assaut, voilà donc des petits arsenals, voilà ici pour la MP5, la MP5 qui est très stylée, j'aime beaucoup l'esthétique qu'elle a, le style qu'elle a maintenant à voir. Tout simplement si elle sera vraiment bonne en jeu ou pas, ou si c'est seulement esthétique. C'est comme là, voilà, pareil, la Hog est cool, mais est-ce que son arsenal sera vraiment bon en jeu ou pas, ça reste à voir. Ensuite on a évidemment des petites exécutions, une petite montre, la montre de McClane, le badge, donc un petit porte-bonheur, une emblème, une carte de visite et des consommables, ça reste assez basique pour le reste. Et derrière on a évidemment le pack avec John Rambo à l'intérieur, le skin est incroyable, pour le coup vraiment John Rambo, le skin est magnifique, je pense qu'on va beaucoup le voir en jeu celui-là, beaucoup plus que McClane, et beaucoup de joueurs je pense vont l'acheter, d'ailleurs si vous comptez l'acheter n'hésitez pas à le dire en commentaire. On a évidemment une mitrailleuse avec une bonne batteuse qui fait très Rambo, un arsenal de batteuses plutôt sympathique, après c'est pareil à voir. Est-ce que cette batteuse là sera efficace en jeu ou non? Ça reste à voir, on sait que les batteuses c'est un petit peu plus compliqué. Et ici c'est quoi? Est-ce que ce serait pas une AK-47? En tout cas on voit qu'on a Baltra Centre Rouge sur cette arme. Ce serait peut-être une AK celle-là, hein. On dirait en tout cas. Donc voilà, ensuite on a évidemment le couteau de Rambo corps à corps. On a deux éliminations dans ce pack là. C'est peut-être pour peut-être le petit plus qu'il a avec l'autre. La montre, le porte-bonheur, l'emblème et la carte de visite, mais pas de consommable de badge d'XP avec, de jetons d'XP. Mais en tout cas, à mon avis, vous allez surtout choisir votre pack selon votre skin préféré, quel personnage vous voulez jouer. Même si, bon, 24€, si vous voulez les deux packs, ça vous fait environ 50€. Donc, pour le coup, ça reste à voir. Est-ce que ça vaut le coup? Ça vaut le coup si vous avez les moyens et que vous voulez vous faire un petit plaisir, notamment avec donc cette collab avec Rambo et Action Heroes. Donc voilà, ici on le voit, Action Heroes, donc ça va être tout simplement les défis à réaliser pendant cet événement. Alors j'en ai déjà fait un, parce que j'ai fait une petite game tout à l'heure, c'est quoi Ok, alors ça c'est intéressant, vous allez voir pourquoi. Donc on a 9 défis à faire pour débloquer déjà 2000 d'XP, mais surtout ce Pellington, donc cet arsenal du Pellington, je trouve pas très joli pour le coup, après chacun ses goûts, mais je trouve pas forcément joli, et reste à voir si cet arsenal du Pellington sera efficace ou pas, ça reste à voir. Donc 9 défis à faire, c'est toujours sympa de les faire les défis, parce que vous participez à l'événement qui est en cours, donc ici c'est la première mission dans Warzone, obtenez premier sang en devenant le premier membre de votre escouade à faire une élimination. La première fois qu'on lit, on peut penser que escouade, faut forcément le faire dans une équipe de 4. Et que vous le fassiez en solo, en duo, en trio ou en quatuor, vous devez juste faire le premier kill. Donc si vous voulez faire cet objectif très vite, je vous conseille de partir en solo. Vous crossez quelqu'un rapidement et le défi est réalisé. Derrière, dans Warzone, faites 15 éliminations avec des armes explosives ou de l'équipement mortel. Donc là, voilà, ça représente bien le monde de Rambo, vraiment très explosif. Donc là, c'est pareil. Peut-être que du coup, on va plus voir des personnes jouer à la Semtex, au C4, à la grenade frag ou même au RPG, au lance-grenade. Parce que le lance-grenade tombe dans les coffres, mais est très peu utilisé. Dans Warzone, coup de force, collecter 50 plaques coup de force. C'est un nouveau mode de jeu, on va voir ça juste derrière.
Dans Warzone, coup de force pareil, atteignez 5 fois le dernier cercle. Ici on a quoi? Dans Warzone, éliminez 25 agents ennemis lors de l'événement public trafic d'armes. Donc c'est un événement qui se passe dans pendant une game de Warzone tout simplement, puisque trafic d'armes n'est pas un mode de jeu à proprement parler. Donc c'est tout simplement un événement qui va se passer pendant votre game de Battle Royale Warzone. Derrière, le défi suivant, c'est survivre à un saut depuis le sommet de la Nakatomi Tower. Donc Nakatomi Tower, c'est quoi? C'est un nouveau lieu dans la map. Il y a en tout 3 nouveaux lieux. Il y a donc la Nakatomi Tower, il y a une agence, je crois, et un camp de survivalistes. On verra ça juste après, je vous ferai passer des images et je tenterai de faire une petite game, voir ce que ça peut donner. Derrière, dans Warzone, terminé 3 missions secondaires à Nakatomi Tower. Vous allez voir, il y a 3 nouvelles missions qui sont arrivées sur la map au niveau de Nakatomi Tower. On verra si elles sont compliquées à faire ou non. Donc là, c'est pareil, vous obtenez ici un porte-bonheur, mais c'est surtout pour réaliser les 9 défis. Vous faites pas mal d'XP et c'est plutôt intéressant. Ici, dans Warzone, collectez 3 plaques de prisonniers de guerre de Rambo. Alors, je sais pas comment ça marche ça encore, mais vous allez devoir récupérer ces fameuses 3 plaques de prisonniers de guerre de Rambo. Et la dernière, dans Warzone, faites 3 éliminations avec la série d'éliminations arc à poulie. Alors ça, c'est pareil, je sais pas encore ce que c'est. Il va falloir voir petit à petit comment faire tous ces défis. La plupart sont simples, mis à part quelques-uns. Par exemple, celle-là, faut voir ce que c'est, la série d'éliminations. Mais en tout cas, voilà pour ça. Du coup, ce que je vous propose, c'est que nous, tout de suite, on part à Nakatomi Tower. On voit, on visite un peu la nouvelle zone. Et on va voir un peu ce qu'on peut faire, essayer de faire une game sympa. Je pense que je vais mourir très vite parce que j'ai pas un niveau foufou. Mais derrière, je vous montrerai après cette game des images des 3 nouvelles zones de Warzone avec cette nouvelle mise à jour qui a l'air plutôt sympa en termes d'explosion et de combat, qui vont être donc beaucoup plus explosifs parce qu'ils vont venir ici un peu forcer les gens à jouer avec les explosifs, notamment avec le défi. Donc ça va être sympa à voir et très explosif à jouer. Alors du coup, pour les nouveaux endroits dans la map, alors c'est très simple, on a donc la fameuse nouvelle Nakatomi Plaza de Die Hard, donc au centre-ville, avec les fameuses 3 missions secondaires à effectuer pour le défi. Donc vous le voyez, hein, se situe à Downtown et vous avez les 3 nouveaux icônes de défi autour. Il y avait beaucoup de camping un peu partout dans la map, vous savez, là où il y avait des petites binous, hein, avec les petits transats. Et ben c'était remplacé par des camps de survie sur le thème de Rambo. Et un nouveau poste de la CIA a été ajouté à la place de l'un des crashs d'avions dans le secteur nord-ouest de Verdansk. Derrière, on a une nouvelle arme avec l'arc de combat qui arrive dans Warzone. Et donc les joueurs vont pouvoir l'acheter dans la boutique. Et donc les flèches seront explosives. Donc vous allez pouvoir faire énormément de dégâts avec. Vous allez avoir une sorte de plus vous bandez l'arc, plus la flèche sera explosive et fera donc de dégâts. Derrière, on a la MP63 qui va être un pistolet. Il arrive donc dans cette saison. Pas de date précise pour le moment. Mais c'est une arme, un pistolet qui devrait faire d'importants dégâts et qui aura un tir automatique. Donc il n'est pas encore présent, mais il va arriver. Puis vous avez évidemment le fameux couteau qui a été ajouté, là le couteau de Rambo. Donc le nouveau mode récupération de plaques aussi. Donc cercle de départ est plus petit que la normale, ne comporte que 5 étapes. Pas de goulag en mourant, les coéquipiers ne peuvent pas être ramenés, justement que par des boutiques ou les plaques d'identification. Les ennemis vont laisser tomber une plaque d'identification lorsqu'ils sont tués. Plus vous en collectez, plus vous débloquez de récompenses. Et le système de récompense vous montrera ce que vous pouvez débloquer ensuite. Donc des drones, des jetons de réapparition, des masques de gaz avancés et des bonus de spécialistes. Donc voilà, la mise à jour est officiellement sortie. Vous avez tout ça de nouveau, c'est vraiment intéressant. Le nouveau mode coup de force qui peut être intéressant. De toute façon, il va falloir le faire pour les fameux défis. Et donc voilà pour cette mise à jour. Donnez vos avis sur cette mage en commentaire. Puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout vous abonner et activer la cloche des notifs, c'est très important. Et moi je vous dis à la prochaine. Et surtout, portez-vous bien.